Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, tout le monde. Justement, et peut-être Haïtien va être intéressé à connaître que la question immigration a intéressé le peuple américain autant que l'intéressé le peuple haïtien. Et il y a peut-être intéressé à connaître que la première question sous immigration, hein, et c'est une question que les Haïtiens américains ont posée. Il y a Al-Sendor, c'est il travaille pour PBS, Public Broadcasting, et il posait le président qui s'est passé, qui mesure l'évaluation pour les freiner la situation qui existait sous frontière, surtout les mentionner qu'il y a un petit monde qui a moins que 18 ans, qui empilé dans des gros espèces de centres de détention, pas gain assez de place pour eux, donc ils sont surchargés et c'est un bagage qui vraiment pas envie de faire sauter. Bon, nous dit que les journalistes américains ont une permission seulement pour eux, ouais, ils sont en centre de détention, quelqu'un qui a voyagé aller à Texas pour eux, ouais, condition dans le centre de détention, ça y est, et eux. C'est vraiment, vraiment bouleversé par ça que vous avez. Le président Biden dit que, malgré que les républicains, avec un pilote, on a critiqué pour dire que la crise, ça, et c'est une crise qui vient augmenter le niveau des présidents, et qu'il n'y a pas qu'à ce monde qui a traversé les frontières parce que vous connaissez que c'est un bon nègre, c'est un monde honnête, qui est gentil, comparativement avec le président Trump. Et il dit que ce n'est pas vrai du tout. Et que personne ne va dire, mais qu'en bas Trump, il y a 31% plus de monde qui a essayé de venir aux États-Unis. Différence, il dit, c'est que l'administration Trump a adopté quelques mesures qui étaient vraiment méchantes vis-à-vis des immigrants. Et il dit qu'il y a des défaits ou pas qu'un système qui était en place pour aider les gens pour éviter que cette situation grave. Bon, ça, et que Kounye là, il est obligé à repiécer quelques lois qui existaient que Trump abolit et que l'a aboli en même temps quelques lois. Et Trump dit qu'il prend engagement, Jacqueline, pour lui permettre aux journalistes américains d'aller voir plus passer au centre et lui promettre pour gagner transparence. Non politique, les États-Unis vis-à-vis immigrants, lui dit situation pas changée, pas fini, parce que vraiment, c'est seulement six mouns qui paguent adultes qui accompagnent que les États-Unis a quitté entrer aux États-Unis. Il dit qu'il a essayé faire mon sale, six mouns rejoindre par ailleurs le plus vite possible. Merci Sandra, et même que l'ambassade américaine en Haïti qui vient avec slogan président Joe Biden n'a pas venu rete la caillou, n'a venu peut-être avec slogan dans le programme demain. Pendant ce temps, la commission affaires étrangères Sénat, tant il y a des positions organisation État américain sous problème de corruption, gouvernance et élection qui affectait Amérique latine à Caraïbes et non Haïti. T'es cité Jean-Aubert Philippe. Effectivement, la question pour le dossier qui intéresse l'administration américaine, pour connaître qui ça va faire pour améliorer les relations qui doit exister entre les États-Unis. Sinta a diferença em usar sua prótese com fixador. Marcelo, nós vamos almoçar. Você deve ter trazido comida com sempre, né? Eu vou com você, desde que eu uso. États-Unis, Congresso e pays membres de l'OEA. Donc, c'est comme ça que le secrétaire général de l'OEA a fait des positions pour expliquer le problème. Non, mais le problème, c'est surtout sur l'activité électorale, le problème de drogue, le problème après vaccination, et le problème de corruption, par exemple, pression électorale qui est surtout centrée et qui est citée justement en Haïti dans le cadre électoral et même dans le cadre et dossier corruption qui gagne et côté que le secrétaire général dit c'est par explication sur sa situation et concours ou bien contribution que l'État est capable d'apporter pour aider pays dans la région, ensuite le pays membre, l'OEA qui se soit dans l'Amérique latine ou bien dans le Caraïbe. Le secrétaire général de l'Organisation État américain, le Salma Group, a fait des positions devant la commission Affaires étrangères et Sénat mercredi 24 mars, l'a demandé aux États-Unis engager plus dans l'hémisphère pour encourager et valer avec les démocraties.
sur ça qui est communauté internationale là de faire pour résoudre la situation. Le secrétaire général là, pour être face aux communautés internationales là, approcher de ces Venezuela, créer un pire conflit. We have a very fragmented international agenda and we need to unify that international Venezuela agenda. Venezuela en bas, tout ce que c'est la vie de l'humanité, 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 de unifier les références. Le régime Maduro cherche un accord différent avec la communauté internationale. Là, je parlais séparément avec l'Union Européenne, là, la Norvège, une autre partenaire en deux hémisphères, donc pour la Chine, avec la Russie. Une situation comme ça, pas capable de continuer dans la démocratie sur pied au Venezuela. Il doit être coordonné avec l'international agenda. C'est le général Michel Maduro, agenda plein, car le Venezuela, nous devons unifier l'agenda par le territoire. Venezuela, nous gagnons un calendrier unifié. La Norvège, par exemple, l'Union Européenne, l'OEA, les États-Unis, leurs pays voisins, ils ont un tout lieu de travail ensemble. Sur les sanctions États-Unis imposées sur Venezuela pour finir le régime, et bien, M. Maduro dit sanctions, ils ont un résultat. La pression de continuer à augmenter pour éviter le régime, non, jouit impunité pour action imposée. Éviter pendant un pays à mettre pression et puis l'autre, les mêmes. À soulager la pression. Sur la question de la corruption, il y a une corruption qui a exprimé inquiétude au niveau très bas du pays. Même l'OEA est classé dans l'indice corruption. En tant que par exemple, Venezuela est classé 76e sur 180, Haïti est classé 170e et Nicaragua est classé 159e sur 180. La corruption a plongé l'institution démocratique d'après la commission Sénat. In a free way, transparent, just, and that the votes are counted properly. That is all about sur les élections, le secrétaire général là, Michel Maduro parle, il dit le peuple est capable de participer dans une élection libre, honnête, démocratique, transparente. C'est pour intégrité processus électoral là qui peut bien faire. Monsieur Maduro a dit nous observons l'élection, nous dénoncer faire l'Elbapon, nous aider les pays qui m'ont dit assistance pour rien qui vont processus électoral qu'on a fait actuellement en Haïti avec Honduras. Mais ce n'est pas un travail qui facilite la situation pour Venezuela est difficile. Nous ne pas même considérer comme un système électoral pour Venezuela parce qu'il y a quelqu'un à tous niveaux. En plus de responsable de la commission a détendu pour des positions de Palmer, c'est un journal Amérique latine à Caraïbes, dans l'Institut démocratique national, la NDI, avec Ryan Bird, qui est aussi dans l'American Enterprise Institute. Le chef d'explique une commission en façon de réaccusation avec le Congrès des pays membres de l'OEA. Dans la Chine, avec la Russie, a utilisé les moyens politiques et économiques nécessaires pour gagner une influence dans l'Amérique centrale avec le Caraïbes, dans offrir aux pays vaccins pour des études avec avantage commercial.